À 100 jours des élections européennes, Euronews est allé dans les rues de Bruxelles pour voir si les citoyens savaient quand ils pourront remplir leur bulletin de vote pour élire les députés européens qui les représenteront pendant les 5 prochaines années. Do you know when the European elections are? I don't know. No, pas du tout. This year. Ok, but I don't know the month. C'est en octobre, non? Ou novembre, un truc comme ça? In June. June? Yes, in June. This year, month of June. Mais en tout cas, j'ai l'intention d'aller voter, oui, ça c'est sûr. Ces élections se déroulent dans un contexte très tendu, alors que l'Union européenne est confrontée à des crises multiples et variées. Les citoyens ont des priorités différentes pour le prochain Parlement européen. I guess ecology, that's very important. El cambio climático, que se reunieron pero no arreglaron nada. Maybe talk about Palestine and what's going on over there. They need to discuss Palestine. Qu'on vive de nouveau en paix. Less liberal, more social. Les pays ont envie de se refermer sur eux-mêmes. Cette montée du nationalisme me fait peur. I do hope that the extremes won't be there. Do you plan on voting this year? I probably will, yes. Je m'intéresse pas du tout à ça. Je suis désolée.